La famille est ce qu'il y a de plus important pour Ariane Séguillon. Maman fière de son fils Dorian. Membre du groupe Fambache, la comédienne de Demain nous appartient est également très proche de ses frères. Malheureusement, le 18 juin 2018, son monde s'est écroulé quand son frère Benjamin perd son long combat contre le cancer. Une terrible blessure qui ne cicatrisera jamais. Tous les ans, l'interprète de Christelle Moreno dans la série de TF1 n'oublie jamais de rendre le plus beau des hommages à celui qu'elle a tant aimé. Mais la vie continue et l'actrice fait tout pour protéger et soutenir au maximum les proches qui sont toujours à ses côtés. Alors quand son petit frère Jérémy Séguillon a besoin d'aide, elle vole à son secours. Sur Instagram, ce dernier dévoile régulièrement ses créations et notamment les personnages et les premières planches de la bande dessinée qu'il prépare. Une œuvre baptisée Soldier of Peace et qui fait toute l'admiration de sa sœur. Lassée de voir son frère ne pas mener à bien son projet, Ariane Séguillon a alors décidé de passer à l'action. Sur la story de son compte Instagram, la comédienne a lancé un appel aux dons. « Coucou à tous. Je fais ça pour la première fois mais c'est mon petit frère qui me reste, que j'aime et qui a un talent fou. » a-t-elle expliqué. Donc voilà, il a monté une cagnotte pour réaliser son rêve de faire sa bande dessinée. Vous avez déjà des premières pages, je me suis dit que si vous mettez tout 1 €, il pourrait réaliser son rêve. Faites comme vous le souhaitez évidemment, mais 1 €. C'est peu et énorme à la fois. Ariane Séguillon a également partagé le lien de la cagnotte de son frère qui ne compte pour le moment que 12 contributeurs et 295 €. Jérémy Séguillon, qui se présente comme un ingénieur du son, un guitariste de métal, un programmeur et un scénariste, vise les 20 000 €. Une grosse somme qu'il espère bien réunir grâce aux fans de son aîné. Le début d'une belle carrière,